coucou les amis, nous voilà pour une petite vidéo de rentrée. Donc comme on vous avait prévenu pour les derniers mini-jeux, on va un peu vous raconter tous nos projets pour l'année à venir. Je suis avec Silis. Oui, coucou. Et les garçons ne vont pas parler pendant cette vidéo parce qu'ils sont là juste pour faire les beaux. Voilà. Voilà, on est beaux. Sniff, wow. T'en sert à rien comme d'hab. Voilà. Non, parce qu'on va faire une petite partie de dé à coudre, histoire que vous ayez quand même un peu de choses à regarder pendant que nous, on papote. Tout à fait. Voilà. Donc, dé à coudre sur notre map à nous. Enfin, à nous, je dis à nous, mais en fait, moi, j'ai pas du tout participé. Ouais, une vieille map que vous pouvez retrouver dans d'anciennes vidéos si vous nous regardez depuis suffisamment longtemps. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, parce que c'est quand même vraiment pas mal. Donc apparemment c'était l'ancien spawn du serveur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, il y a plein de constructions diverses et variées, mais ce qui compte, du coup, on a décidé de se faire un petit thé à coudre au décor tropical, voilà. Oh, puis il pleut. Allez. Voilà, sort de mettre de l'ambiance. Voilà, voilà. Bah du coup, tu peux commencer à sauter ces quiz. Ouais, oui, parce que du coup, c'est un dé à coudre un peu homemade, alors on a décidé qu'on allait s'attribuer les ordres de passage et ouais, mettre nous-mêmes les laines là où on tombe parce qu'on n'est pas des bâtards. Alors, Scorman. Je me lance. Wouh, plouf. Ah, est-ce que je sais encore mettre les laines au sol? C'est bon, voilà. J'ai réussi. Ouais, ouais, c'est trop galère à voir tes laines, elles sont bleues sur bleues. Ah ouais. Vous voulez que je change de couleur peut-être? Non, c'est bon, ça y est. Me poussez pas, ils veulent me pousser, oh, les enfants. Bon, bah du coup, pendant que Silis saute, je vais commencer à vous annoncer un peu pour l'équipe fun. Donc déjà, à savoir qu'en ce moment, je ne suis plus toute seule, puisqu'on a notre cher Sane, alias Conrad en ce moment, qui est en période de test chez nous. Depuis combien de temps? Je pense que là, tu l'as bientôt achevé ta période. Ça fait combien? Un mois? Ça fait un mois et demi, un truc du genre. Donc voilà, donc à mon avis, vous allez bientôt savoir s'il est titulaire chez nous ou pas. Titulaire, c'est... c'est nous la fonction publique. C'est à qui de sauter, là? C'est à toi, Conrad. Comment tu passes le cube? Tu fais clic droit. Une fois tu que te décales tombé... et tu fais clic droit. Donc vous voyez les fun, on est assez compatibles, on est tous les deux, on sait pas trop ce qu'on fait. Ils ont les mêmes lacunes, tout voilà, c'est ça. Bah, du coup, Silly, je te laisse faire un petit récapitulatif. Ouais, alors du coup, du côté de l'équipe de construction, on a eu quelques changements aussi. Donc actuellement, on a Lixam qui est passé de terraformeuse, donc on est trois terraformeurs. Et sinon, côté architecture, on a donc Winplay et on a Linetaru qui est en période de test chez nous en architecte. Donc voilà, l'équipe fun, je sais que c'est un petit peu pareil, donc on recrute encore. Oui, voilà. Donc architecte et terraformeur pour l'équipe de construction, bon, il n'y a pas de prérequis à part un niveau quand même de base, hein, c'est-à-dire que si vous pouvez éviter de postuler en architecte en étant juste capable de faire une maison carrée toute basique, voilà, on attend quand même un minimum, surtout qu'on est sur des projets à grande ampleur. Donc voilà, et puis après on discutera ensemble si vous êtes intéressé des autres prérequis, mais en gros voilà, il faut être sympa, dispo, cool et un petit peu talentueux, mais après on demande pas des experts non plus, nous on est là aussi pour vous former, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Et c'est pareil au niveau des fun. Hein. Enfin, je veux dire, on recrute au niveau des profils. Ah, je suis morte en parlant, je suis con. J'ai perdu toutes mes élytras d'ailleurs. Ah. Bon, tant pis. Donc ouais, au niveau des fans, on recrute surtout des gens en fait qui pourraient nous aider au niveau du montage pour pouvoir pouvoir tenir le rythme qu'on se donne en ce moment, c'est-à-dire au moins une vidéo par semaine. Mais après, en ce moment, on est sur différents projets, donc si vous entendez un projet pour lequel vos qualités semblent être indispensables, surtout n'hésitez pas à vous proposer. C'était à moi? Ah bah non, je suis morte, du coup, je vous laisse faire. Ah oui, c'est vrai. Y'a qui a sauté, là? Hop, ça 3, 3, ouais, c'est à moi, ok.
Donc voilà pour les équipes. En gros, on recrute et on se dit qu'avec la rentrée, vous allez peut-être vous sentir l'âme de devenir façonneur et devenir façonneur sur le long terme, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des façonneurs fun ou constructeurs qui restent là 2 mois, mais qui restent ici plusieurs mois. Pas toute la vie forcément, mais le plus longtemps possible. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on est une équipe qui a vu beaucoup de gens passer, donc si on pouvait avoir un peu de stabilité, ça serait... Ouais. Ce serait over méga cool. Voilà. Ouh, pardon. Tu n'es pas morte. Non, je ne suis pas morte. Bah du coup, moi, je vais profiter du fait que je suis morte pour vous annoncer un petit peu les projets fun. Donc, en ce moment, avec Sane, on travaille sur un gros projet qui... Tu vois, t'es en train de faire une magnifique diagonale. T'as vu ça? Ouais. Donc oui, un super gros projet, en fait, qui à la base était une idée... Bah même pas de toi, Qualt, non, de Steve, non? Non, c'était bien mon idée. Ah, pardon. Donc c'était à la base une idée de Qualt, et en fait avec Sane on s'en est emparé, et on l'a complètement converti à notre goût. Donc ce serait l'idée de faire une map de série RP, donc qu'on tournerait ensuite avec les autres façonneurs, hein, les façonneurs de l'équipe. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir vous raconter trop ce qu'on va faire, parce qu'on va pas les spoiler, hein, n'est-ce pas? Non. Donc on a déjà on a décidé de faire ça dans un univers bah, plutôt d'heroic fantasy, parce que bah on va le dire, hein, c'est notre domaine de prédilection avec Sane. Et je peux vous dire qu'en ce moment on est en train d'écrire le lore de l'univers et on est vraiment à fond dedans. Le lore, c'est quoi? L'histoire. Oui, c'est vrai, tu fais bien de demander. Mais quelle question pertinente! Merci. Le lore, en fait, c'est l'histoire générale de l'univers, en fait. Donc, notamment, okay. Bah, c'est pour ça qu'en fait, souvent on parle. En ce moment, on fait la mythologie, on fait l'histoire avec un grand H jusqu'au moment où les joueurs vont commencer à jouer. Et d'accord, ok. Ces sortes de choses. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas encore posé de bloc sur le sol, mais ça ne saurait tarder puisque j'ai cru comprendre que Sane était impatient de construire. Sane a gagné d'ailleurs. On va pouvoir recommencer. Hop. T'as tapé où, Qualt? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je crois Attends, que t'as tapé sur un de tes blocs. Oui, t'as tapé sur une de tes diagonales, je crois. Bah voilà. En fait, je sais pas, mon clavier s'est bloqué et je me suis retrouvé avancé tout droit. Ok, du coup, vas-y, continue sur la série. Bah, il me semble que j'ai tout dit. Enfin, du coup, là, si on commence à construire bientôt, on devrait pas... Enfin, ça devrait voir le jour, je pense, d'ici à Noël. Ce qui serait plutôt pas mal. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour dire que du coup, on recrute des architectes et terraformeurs du côté de l'équipe construction, mais que pour être fun, si vous avez des dons en architecture et également, enfin, on prend du coup pour les projets comme ça, c'est nécessaire. Hein, donc, si jamais vous avez, enfin, c'est deux équipes différentes, quoi. Enfin, si vous êtes intéressé, on vous en dira un peu plus en privé, tout ça, mais c'est vraiment deux choses différentes, mais avec des similitudes. Voilà, ça veut rien dire, mais. Et d'ailleurs, on vous laissera des liens pour nous contacter dans la description si vous êtes intéressé, n'est-ce pas? Ouais, voilà, ouais. Ok. Ok, et du coup, bah, au niveau de l'équipe Fun, à part le projet RP qui est, on va dire, notre gros projet de l'année, bah, au niveau de la chaîne YouTube, on a décidé de... Bah, on va continuer évidemment les Enderbent Adventures, hein, parce que bon... Hein, on veut voir où est-ce qu'ils vont aller, les petits Silly Secuet, là. Jusqu'où vous allez... On a tourné aujourd'hui, il vous attend des trucs incroyables. Hein, bah, c'était l'épisode 20, hein, donc lol. Ouais. J'espère que vous ferez quelque chose d'un petit peu spécial. On a encore un peu de marge quand même pour l'épisode 20, mais... Bah, ça va venir vite. Pensez-y. Vous pouvez sauter les autres, hein. Qualt et moi, on a déjà sauté. Ok, je me lance. Yahoo! Pouf! Et du coup, à côté de Underbed Adventure, donc, bah, l'épisode 3 de Lumb va bientôt sortir. Donc Lumb, bah, si vous l'avez regardé, c'est notre petite série entre filles. Mais comme elle est sortie cet été, en fait, je pense qu'il devait y avoir beaucoup de gens qui l'ont loupé. Donc on va sortir l'épisode 3 à la rentrée. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de rattraper et de voir les deux premiers en attendant que le troisième sorte.
Et du coup, on a besoin de vos avis parce qu'on voudrait savoir si vous aviez envie que nous, les filles, on fasse le chapitre 2 de Limbe, parce qu'il faut savoir qu'il y a une suite. Ouais. Donc, dites-nous en commentaire si vous voulez continuer à nous entendre crier, voir fail dans les épreuves de jump et à continuer à me donner l'occasion de m'amuser en montage pour faire des petits ralentis sur la voix de Silly, ça. Ouais, en plus, c'est des petites séries sympas. C'est cool, tu as sauté depuis 10 minutes. Oh, pardon. Ouais, j'avoue. Non, ouais, c'est des petites séries sympas. Enfin, vraiment, si vous avez loupé les premiers épisodes, ça prend pas énormément de temps à regarder. C'est assez, c'est bien dynamique, quoi. Puis l'histoire est cool et tout. Du coup, voilà, je vous le conseille. Et puis, bah, vous nous direz si vous voulez le chapitre 2 ou pas. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, on fera ça dès que possible. Alors, ensuite, on va continuer aussi de faire nos petites vidéos sur les mini-jeux. Et là, on a encore besoin de vous. Vous avez vu, on vous met beaucoup à contribution. C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir un peu ce qui vous intéresse le plus au niveau de nos mini-jeux. Est-ce que vous avez envie qu'on continue à tester des nouvelles maps pour vous montrer des nouveaux serveurs où aller, des nouveaux mini-jeux à tester ou pas? Ou si vous voulez qu'on continue à faire nos séries habituelles sur notamment le Murder Mode. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire toujours la même chose parce qu'on s'éclate bien dessus, mais vous avez peut-être des idées de serveurs qui vous plaisent et voilà, et vous avez envie de nous voir bien rire dessus, quoi. Donc n'hésitez pas à nous donner ces serveurs-là si vous avez envie qu'on y aille. Voilà. Voili voilou. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Non, il te manque la série régulière. Ah oui, c'est vrai. En fait, on a un petit projet, enfin un gros projet. Ah merde. Je suis trop omnubilée par le fait que j'ai envie de vous parler, alors j'oublie de sauter. Hop. Oui, du coup, notre projet de série régulière, donc on aimerait bien avoir un petit rendez-vous comme ça, hebdomadaire avec vous, donc on aimerait bien que ce soit le vendredi. Donc on est en train de construire ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu à l'étape d'embryon, mais on espère, on aimerait bien faire quelque chose qui vous fasse bien rire, ou en tout cas nous, hein. Ouais, bah oui, hein. Ouais, un petit truc peut-être, un format plus court que nos vidéos habituelles, et voilà, quelque chose qui revienne régulièrement, et puis du coup, ça vous permettrait peut-être aussi d'interagir avec vous, je sais pas, peut-être qu'on profiterait de ces vidéos-là pour répondre à vos questions, ou vous faire des coucous, ou que sais-je encore. Des dédicaces. Ouais. Spécial dédié à ma maman, coucou maman, je passe à la télé. Maman, je suis sur Skyrock. Ouais, du coup, voilà, c'est encore au stade de projet, mais si vous avez des idées et tout, n'hésitez pas. Et en tout cas, on espère mettre ça en place peut-être avant la fin de l'année ou sinon en début d'année prochaine, quoi. Ça va dépendre de... Moi, je suis assez confiante sur ce projet. Je pense que ça va avancer plus vite que prévu. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais, ce serait cool. Mm-mm. En tout cas, on vous tient au courant. Évidemment. Ouais, voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de projets côté fun. Et côté construction, peut-être que vous vous inquiétez déjà parce qu'on ne parle d'aucun biome ou de vidéo, alors que toute l'année dernière, par exemple, on vous avait bassiné avec Valsvala. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui viennent de nous découvrir et qui ne savent pas ce que c'est, à aller voir cette vidéo de notre dernière vidéo de biome Valsvala qui est vraiment chouette. Donc, comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, il n'y a plus personne qui saute, là. Je crois que c'est à toi. Moi, je suis morte, en fait. Certifié que c'est à toi, c'est quiz. Ok. Mais franchement, je suis vraiment lente ce soir, je suis désolée. Ouais, du coup, côté construction, comme on vous l'avait dit, on est sur un très gros projet depuis le début de l'année, à peu près. On a fait un petit projet en début d'année, c'était un spawn de serveur. On attend que le serveur soit ouvert pour vous donner les infos si on les a un jour. Et là, on travaille sur un autre serveur qui est vraiment, c'est vraiment un projet gigantesque et on peut vous promettre que si ce projet aboutit, et il aboutira parce qu'on travaille en collaboration avec une autre équipe, ce sera vraiment quelque chose de chouette et on vous filera tout ce qu'il faut comme information pour y aller quand ça aboutira. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros projet qui nous demande beaucoup de temps et en même temps sur lequel on apprécie s'investir parce qu'on voilà, on fait vraiment comme d'hab tout de A à Z, terraforming, architecture et voilà, c'est vraiment sympa. Et du coup, comme on n'a pas envie de vous laisser non plus
trop de côté et qu'on imagine, on espère, que vous avez envie de voir un peu de nos constructions parce que ça fait longtemps. On a décidé en collaboration avec l'équipe Fun qu'on allait vous faire un petit projet pour Noël. Alors voilà, encore une fois, c'est au stade de projet. Il faut encore qu'on cible précisément comment ça va, ce que ça va être exactement, etc. Mais dans l'idée, voilà, ce sera quelque chose dans l'univers de QLG s'est sauvé. Voilà, il en avait marre. C'est quelque chose dans l'univers. Dans l'univers de Noël et a priori ce sera on sait pas encore trop, une map ou quelque chose, et vous aurez cette fois-ci de quoi la télécharger ou jouer dessus. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que pour une fois on vous fasse une map qui puisse vous servir et sur laquelle vous puissiez vous après vous amuser quoi. Donc comme d'habitude, s'il y a des idées ou des choses qui vous font envie à ce sujet-là, bah profitez-en tant qu'on n'a pas commencé, c'est encore le moment pour faire bouger les choses, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. De tous les projets ? Ouais, bah ouais, du coup, ouais. Ok, d'ac. Bah voilà. Les heureux gagnants de ce soir en mince, comment ça s'appelle ce jeu déjà ? Dé à coudre. Sont donc Sane, alias Conrad, qui va bientôt rename, j'espère. Ouais, grave. Et Qualt, mais Qualt, il gagne toujours Dé à coudre. De toute façon, voilà. Dé à coudre. Et sinon, on excuse aussi nos coéquipiers qui ne sont pas là pour diverses raisons, comme le rhume, la rentrée, etc. Voilà, c'est pas toujours une période facile, mais on revient là vraiment avec la rentrée, on va revenir en force, on va vous proposer pas mal de contenu, j'espère, et on espère que vous serez au rendez-vous, que vous allez continuer à nous suivre, à liker, à faire des commentaires, parce qu'on adore ça. D'ailleurs, on est 176 abonnés, là, à la communauté des façonneurs. Ouais. Et du coup, il serait pas à mettre de côté que peut-être que si on arrive à 200, on pourrait éventuellement faire une super vidéo d'abonnés. Hein ? Ouais, j'avoue, ce serait cool. Ouais, on aimerait vraiment beaucoup. Et en plus, on a une très bonne idée qui vient de Big Sam, d'ailleurs. Donc voilà, moi, si j'étais vous, je partagerais hein, pour voir une vidéo de 100 abonnés. ouais, ça, j'essaye, on sait jamais. Hein. Ça dépend de vous, voilà. Hein. Les voilà. Cartes sont entre vos mains. Hein. Ouais. En tout cas, bah, merci à ces 176 abonnés d'être présents, d'exister. Et franchement, on voulait vous dire un grand merci parce que vous nous motivez vraiment chaque jour, à chaque fois, chaque semaine même. À chaque fois qu'on poste une vidéo, qu'est-ce qu'on est content de voir le nombre de vues. Je veux dire, même dès la première vue, alors que c'est moi, je suis trop contente, quoi. Ouais, non, puisqu'il y a vraiment de plus cool, c'est quand vous nous mettez des petits commentaires, des petites questions, même quand c'est des petites moqueries, on aime bien, parce qu'on s'en fiche. Ouais. Nous aussi, on se moque de nous, alors... Il n'y a pas de souci. Mais, grave. Et ben en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, bonne rentrée à ceux qui vont la faire, et... Bonne rentrée à ceux qui l'ont déjà fait, Sniff. Et bonne rentrée à ceux qui n'en ont pas, voilà, il faut y penser aussi. Voilà. Merci. Bon cherche, comment on pourrait dire ça, bonne recherche d'emploi. Ou d'activité, ouais. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt, du coup, sur nos prochaines vidéos. Donc, pour ceux qui auraient loupé ces derniers temps, donc la série Limbe et la suite de The Ender Bent Adventure qui est sortie... il y a quelques jours, donc voilà, n'hésitez pas à regarder, laisser des commentaires, et même sur cette vidéo, du coup, si vous avez des idées sur tout ce qu'on vous a proposé, tout ce dont on vous a parlé, n'hésitez pas, vraiment, on est ouvert à tout, et ce qu'on fait là, c'est aussi pour vous, du coup, si ça peut vous faire encore plus plaisir, et si on peut répondre à vos attentes, attention, pas toutes les attentes, et ben voilà, ça nous fait plaisir. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt. Salut. Ciao. Ils font chier, ils font que de loot des gens en bière là, mais j'en ai pas besoin. C'est bon, j'ai pas besoin de mettre 5 pantalons sur moi, un seul ça me suffit. Hein. Ben, ça dépend, peut-être que c'est l'hiver. Bon, remarque, non, il y aurait de la neige. Enfin, quoique cette année, il n'y a pas eu énormément de neige. Peut-être que. Peut-être que le serveur respecte la météo. Ça doit être ça, je pense. Inévitablement. Non, puis en même temps, on est en mai aussi, hein. Il y a peut-être ça. Ouais. En général, en mai, il n'y a pas beaucoup de neige. Tiens, j'ai une épée. Oups, non, c'est mon épée, sarre-la-moi.